par le professeur et ancien recteur de l'université antérieure, le professeur Seydou Baramissi, qui est là assis depuis à peu près 15 minutes. Si je vois ça, je ne peux pas moi trouver des excuses à ce qui pourrait être en retard. Et aussi le général Sec, celui qui a constitué nos armées, quand je vois des élèves comme ça assis, je ne peux pas moi avoir d'excuses pour mes retards. Je crois qu'il y a peut-être de petites excuses. Mais enfin, essayez de me permettre quand même de faire fonctionner comme ça au reste, les gens pourront se dire. Si on vous dit 15h, allez-y à 15h quand ça commence. Je crois que c'est une bonne habitude, ce n'est pas mauvais. Je m'excuse si ça bouscule un peu une certaine certaine analyse, mais en fait, je crois que commencer à le faire, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, remercier en cette sensibilité de. Si le niveau de vie est là, et là, un de donc voilà, merci. Bon, mais voilà, je devrais être court. Non, pour tout simplement, à nouveau, vous remercier d'avoir le rythme en vous offrant, je crois, des conférences ou des cérémonies de ce genre-là de très bonne facture. Il y en a déjà qui vont venir dans quelques jours, parce que il y a une dédicace de M. AOCC. C'est le dictionnaire biographique et événementiel des députés du Sénégal avec le professeur Ibrahim Tia. Madame Ayatam vient de parler de sexualité féminine africaine en mutation, l'exemple du Sénégal. Il y a aussi pouvoir politique et espace religieux au Sénégal. Et le jeune ministre Ayousson vient de terminer une ouvrage sur un peu la politique en Afrique du Sud. Tout cela pourra bien se dérouler ici. Si vous le voulez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être venu. Mamlès, je crois que tu es le président de séance, donc moi je voudrais m'en arrêter là et vous souhaiter une bonne, un bon développement de l'activité. Merci beaucoup. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Nous allons commencer cette cérémonie de présentation du livre, suivie d'une cérémonie de dédicace. Le livre du professeur Amsatoussou Sidibé, Droit civil, droit sénégalais, introduction à l'étude du droit, état des personnes, famille. Voilà ce que je vous propose comme déroulement. Tout à l'heure, je dirai une brève biographie du professeur Sol Sidibé. Ensuite, un groupe de jeunes très attachés à la personne de l'auteur tient à présenter ce qu'il propose comme un sketch, un concept, je crois que c'est le langage maintenant, c'est ça, pour parler de concept. Ensuite, je crois, le professeur en fait ça aussi l'idée, il a un bref mot de bienvenue à l'attention de ceux qui sont venus pour la présentation de son livre. Le professeur Amadou Li, qui a participé à la lecture du livre, dira un mot. Ensuite, le professeur Ismaël Mario survolera le livre. Ismaël, d'assez haut pour laisser de l'espace au présentateur du livre, n'est-ce pas? Le professeur Abdallah Cissé qui nous parlera du contenu du livre. Ensuite, ce sera à l'auteur de réagir avant que la salle le demande de prendre la parole pour des contributions, participations ou questions. Voilà donc le programme que je vous propose et si vous l'acceptez, nous pouvons sans plus tarder peut-être passer au groupe de jeunes qui sont. Vraiment, justement, la machine est partie très vite. Je voudrais profiter de l'occasion quand même pour parler au nom du professeur Amsatoussou Sidibé, qui ne la connaît pas. C'est peut-être cela la bonne question, mais en fait, formalisons et faisons les choses comme si le professeur Amsatoussou Sidibé
j'ai vu avec beaucoup de délicatesse un journaliste qui a parlé de vous, qui a dit elle est née en certain mois d'octobre. Je crois qu'il s'acquitte d'une certaine délicatesse vis-à-vis des dames. Donc c'est la première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques. Elle est femme de paix et de dialogue. Son leadership avéré a fait d'elle la première femme candidate à l'élection présidentielle de son pays, première femme membre de l'Observatoire national des élections, l'ONEL, le professeur Anselme Sidibé est ministre conseiller du président de la République chargé des droits humains et de la paix. Elle est auteur de nombreuses publications. Il y a 4 ans, un journaliste de Ouach Fadri, en énumérant les occasions à l'issue desquelles vous avez été première femme de ceci, première femme d'Islam, il y a 4 ans, formulé le fait que cette série de première de la classe se termine également par première présidente de la République et professeur, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Donc, école primaire à Berthe-Maubert, ensuite lycée John Fitzgerald Kennedy, faculté des sciences juridiques et économiques de l'université de Dakar, licence ES-lettres juridiques, puis université Paris-Dauphine-Sorbonne, où elle a soutenu avec brio sa thèse de doctorat d'état en droit, filmée par l'université de Paris 2 et publiée par la grande. C'est la grande. Donc, le professeur Anselme Sidibé a réussi au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, en 1993, et elle est devenue professeure titulaire des universités en 2003. Elle capitalise 33 années de carrière universitaire au cours desquelles elle a formé des générations d'étudiants et de hauts-cadres sénégalais, africains et d'ailleurs. Professeur Anselme Sidibé, nominé du projet 1000 femmes prix Nobel de la paix en 2005, est une militante infatigable de la paix, médiatrice et les membres du groupe des intellectuels africains pour la paix en Afrique, et elle a contribué à la recherche de la paix dans son pays, le Sénégal, et en République de Côte d'Ivoire. Consciente que le processus de paix en parlement se poursuivra avec l'implication totale de tous, mais en particulier les femmes, elle a créé le mouvement politique dénommé Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, car l'ENEM, créé en mai 2010, et cette organisation est un espace ouvert et attentif aux préoccupations de toutes les couches sociales de notre pays. C'est donc cette organisation, un cadre de veille, d'alerte, de réflexion, d'échange et d'action visant à susciter un sursaut salutaire pour le Sénégal. Elle est gardienne des droits des femmes et des enfants, experte et membre de la délégation gouvernementale à la Conférence mondiale des femmes de Beijing en 1995. Le professeur Anselme Sidibé est la présidente du réseau africain des femmes travailleuses, du bel acronyme de RAFET. Spécialiste du droit des personnes et de la famille, elle a défendu avec courage le code de la famille, menacé à un moment donné d'être brûlé, pour aujourd'hui réclamer une réforme du droit de la famille pour une meilleure promotion des droits des femmes et des enfants. Le professeur Anselme Sidibé a contribué de façon inlassable à la promotion de la parité, de la santé et de la reproduction des femmes, à la lutte contre les violences dont elles sont victimes, donnant ainsi de la valeur au rôle de la femme dans le développement. Pour le professeur Anselme Sidibé, le Sénégal et l'Afrique doivent évoluer vers une citoyenneté protégée avec la femme comme épine dorsale de la société. Alors, nomination des distinctions, directrice de l'institution de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, l'IDHP, de 2003 à 2013, l'autre chose qu'on frappe parmi les chiffres, c'est la récurrence du droit et le respect de la décennie. Ça se passe de 2003 à 2013. Puis, avant, c'était c'est assez particulier. Et comme on est un pays de, disons, de tradition et d'intelligence, ça arrête le regard et ça approche aussi l'esprit.
docteur d'état et sciences juridiques en 87, diplômé de l'Académie du droit international de l'AE en 88, certifié de droit et d'économie des pays d'Afrique à l'Université de Paris et en Sorbonne en 78, première femme sénégalaise agrégée en droit en 93, première présidente, femme présidente du jury d'agrégation du CAMES en 2005, nominé du projet 8 formes prix Nobel de la paix en 2005, premier vice-président de la Fédération des juristes africaines en 1995, première coordinatrice du réseau genre droit citoyenneté de l'AUF 2004-2006, première femme membre de l'ONEL, commandeur de l'ordre du mérite du Sénégal, chevalier de l'ordre national du Tchad, lauréate de l'Université Paris 2, prix de thèse de doctorat d'État en 1988, chevalier de la Légion d'honneur française. D'ailleurs, à l'occasion de la remise de cette distinction, l'ambassadeur de France n'avait pas manqué de faire l'éloge de votre parcours et de vos implications dans l'histoire et l'histoire du Sénégal. Donc, des publications, pluralisme juridique en Afrique, l'exemple du droit successoral sénégalais, droit civil sénégalais, introduction à l'étude du droit des personnes et de la famille, François Mitterrand, démocratie et droit de l'homme en Afrique, c'est dans les actes du colloque de Dakar, Mitterrand et l'Afrique, en 1999, le droit à l'épreuve du VIH, pourquoi une loi sur la parité au Sénégal, l'évolution de l'autorité des familles sénégalaises, genre, illégalité et religion, etc. Protection pénale des femmes contre les violences, quelle politique criminelle, la douleur et le droit, quand des mutilations pratiquées sur les femmes, l'adoption au Sénégal et en Afrique francophone. Donc, il était évidemment, nous étions pas attendus au tournant. Quand on a autant produit, évidemment, on s'attend à ce que tout cela soit systématisé, mis en forme et proposé à la lecture et à la réflexion de nos concitoyens, mais également des Africains et des intellectuels du monde entier. Voilà donc l'auteur du livre. Sa vie peut-être est déjà en livre, madame. Et nous vous souhaitons d'en poursuivre la rédaction et l'écriture. C'est une aventure exaltante et quand on m'a proposé de venir faire cette présentation, j'ai connu M. Sidibé avec vous, c'était du temps assez lointain où Almanu Matoufal organisait des conférences pour la Convention des Saint-Viziens et où nous nous rendions dans la capitale du Nord pour faire des conférences. Moi, je parlais des médias, moi, des souvent, et je vous écoutais toujours avec beaucoup de plaisir et d'attention parce qu'il y avait toujours beaucoup de choses à apprendre, à écouter vos propos. Voilà donc, mesdames et messieurs, on remercie encore une fois de participer à cette cérémonie, sans oublier notre ami Ousmane Serge, qui organise cet espace avec beaucoup de générosité. Si les gens viennent aussi régulièrement, c'est que même si vous n'offrez comme boisson que de l'eau, c'est quand même de bon cœur et on vient boire l'eau Ousmane avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Au fond, la vraie unité, c'est pas cette cour-là, c'est cette intellectuelle que nous avons manqué tout à l'heure. Alors. Merci beaucoup, mon frère, mon propre frère et ami, Manlès Kamatou. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une amitié vieille de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, vous êtes encore là, à mes côtés. Merci Dieu. Vous me permettrez de remercier notre collègue et ami également, professeur Ousmane Sen, responsable du WA, qui s'est mobilisé pour cette activité de cet après-midi. Merci, chers collègues. Vous me permettrez également de remercier tous les animateurs qui sont sur cette table. Je veux parler du professeur Amadouli, qui n'a ménagé aucun effort pour que cet ouvrage soit lisible et sans beaucoup de fautes.
c'est vous, professeur Olivier Dassine. Professeur Abdullah Cissé, un frère, un ami aussi, de longue date, ancien président de l'UFR de sciences juridiques et politiques de l'université de Saint-Louis. C'est le professeur Abdullah Cissé qui a fait la préface de cet ouvrage. Il l'a fait avec beaucoup de générosité. Nous lui donnerons la parole. Mon jeune frère et ami, professeur Ismaël Mayor-Fall, qu'on ne présente plus, avec qui j'ai eu de longs moments de discussion dans notre espace commun sur cet ouvrage et sur beaucoup d'autres questions. Nous discutons souvent, professeur. Merci pour ton apport. C'est essentiel. Vous me permettrez de remercier nos chers invités. Je ne peux pas citer tout le monde, mais vous m'excuserez de devoir citer certaines personnes qui sont nos doyens, qui sont nos références, sur qui nous copions. Je vais citer d'abord notre recteur, professeur Madame ici, qui nous accompagne partout, qui nous encourage surtout. Merci, professeur. Et notre doyen est à ses côtés, c'est le général Mansoussek. Merci, général, de m'avoir soigné physiquement. Parce qu'il a créé un club de marche le dimanche matin. Nous trottons pendant 2 heures de temps. Et ça, ça nous permet d'assurer l'équilibre fondamental entre l'esprit et le corps. Merci beaucoup. Nos imams, Gaï, Imam Sow, le conseiller spécial du président de la République, Amidou Dia, Madame la présidente des femmes francophones du Sénégal, Madame Mansour Diouf, les femmes juristes, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, ici présent, professeur Ramadou Badji, les avocats, Maître Khan, les amis, Anne-Marie, les sœurs des façons, je ne peux pas citer. Je risque de me tromper. Je n'ai laissé personne en rade. Madeleine, personne. Tous ceux et toutes celles qui sont présentes, eh bien, qu'ils reçoivent mes sincères remerciements. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, que j'ai suivi pendant plusieurs semaines, voire mois. C'est le colonel Abdelaziz Mbaye. J'ai du plaisir à le recevoir aujourd'hui. Il est écrivain, il écrit beaucoup. Il fut mon étudiant. Il a eu l'amabilité de me citer dans son ouvrage. Je le remercie énormément pour ça. Je n'ai pas cité tout le monde. Marie Mouani, excusez-moi, je ne peux pas citer tout le monde. Mais tout le monde a mes remerciements. Alors, quand je remercie, je ne peux pas oublier une personne qui m'est chère, qui m'a beaucoup soutenue depuis que je la connais, qui m'a poussée en me disant, n'arrête pas tes études, fais ta thèse, fais l'agrégation, fais autre chose, fais le livre, que j'oublie de temps en temps, et qui a un calme olympien, une patience extraordinaire. Je vais parler du professeur de médecine, professeur El Hassan Sidibé, mon conjoint ici fait. Il est tellement effacé que tout à l'heure il a hésité en me disant, est-ce que ça vaut la peine que je vienne? Je lui ai dit oui, aujourd'hui tu viendras. Et il est venu. En tout cas, merci à tous et à toutes,
aux amis, aux étudiants, aux camarades. Je n'ai oublié personne, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Et alors, j'avais oublié une personne essentielle sans laquelle je n'aurais rien pu faire. Eh bien, cette personne s'appelle Lamine Fall. Lamine Fall est mon éditeur. Il est le responsable de cette édition Pharmacom. Il est sans doute dans cet espace. Il est devant. J'aimerais bien qu'il se lève, qu'on le remarque. Lamine Fall, il est où? Voilà Lamine Fall. Il m'a appuyé, lui aussi très patient. Il a travaillé avec l'imprimerie Montero pour que cet ouvrage puisse sortir. Je vous remercie, Lamine Fall. Je remercie l'imprimerie Montero. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et la presse qui est là, je n'ai pas le droit de vous oublier. Merci à la presse. Parce que sans vous, l'information ne passe pas. Et avec une générosité extraordinaire, vous avez laissé passer le message. Comme quoi j'avais élaboré un ouvrage sur l'état de droit et la famille. Merci beaucoup. Merci ma soeur Pernambou, ministre conseiller du président de la République. Merci. Elle aussi présente dans tout ce que je fais. Merci beaucoup à vous tous, à la salle, tout le monde. Merci. Voilà. Bien, merci beaucoup, professeur. Laurent avait bien raison, que du monde, que ceux donc, qui n'ont pas entendu le nom sachent que, très certainement, dans vos intentions, il était de les citer. Professeur Amadouli, vous avez donc été le lecteur privilégié du manuscrit, parlez-vous-en tel que vous l'avez vécu pendant que l'auteur rédigeait son livre. Merci. Je vous remercie, monsieur Camara, Mendes Camara, journaliste, il n'est pas aimé, puisque vous êtes toujours professionnel, mais enfin journaliste de renom. Je voudrais, avec votre permission, commencer par présenter mes respects à certaines personnes, exercice incontournable. Et je commencerai évidemment par monsieur le professeur, recteur, c'est madame ici. Pour la bonne et simple raison que, quand j'ai été nommé directeur d'un institut de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1984, direction que je vais quitter dans quelques jours, après 31 ans d'exercice, c'est lui qui était recteur et c'est lui qui m'a convoqué dans son bureau en me disant, monsieur le recteur, quand on est nommé recteur, on doit se présenter à l'autorité. Je lui ai dit, monsieur le recteur, je ne savais pas. Je lui présente mes excuses. Je ne savais pas. Je savais qu'il était mon cousin. Et lui savait que j'étais son cousin, mais le rapport à l'époque était celui de l'été. Je n'oublierai jamais cela. Je voudrais également dire mes respects à monsieur le général Mansour Seck. Je me trompe, que je préfère appeler souvent Ferreur, à la suite de sa coupe. Je salue le professeur Ami Boutia, le président du conseil spécial de M. la culture du président de la République, n'est-ce pas? Mes amis et à mes collègues autour de cette table, n'est-ce pas? Marcel, Cissé, Réfam, et à d'autres encore, évidemment, Ousmane Sel. Je n'oublie pas Mansour Diouf, dont je parlerai tout à l'heure. Salutations à M. le doyen Diouf Diouf et à M. le doyen Badi, de la famille de l'Islam Jouli. Enfin, bon, je salue tout le monde, en particulier en cette chose du ministre conseiller. Et je termine par M. le professeur Alassane Sidibé, Sidibé équivalent sauf. Je salue Elage Kassé et Mme Bernambo, ma collègue et amie. Là, je castrais, je vais bien entrer tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, beaucoup de mes connaissances diront en me voyant à cette table dans cette séance de l'éducation de l'ouvrage du droit, diront, mais que diable allez-vous faire dans cette galère? Si elle ne s'exclame, tiens, le voilà mort.
ces personnes pour une bien raison, car en vérité, je me sens à cette table et pour retourner une expression bien de chez nous, je me sens comme une chèvre parmi les chameaux. Mais il était impossible que je n'y sois pas pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles le fait que l'auteur, Madame le professeur Anselme Sauve-Sylvé, m'a instamment prié de me joindre à ses éminents collègues et à Michel Camara, ses collègues étaient juristes, professeur de droit, Michel Camara, journaliste de renom, moi le professeur de lettres. J'ai été l'un des premiers lecteurs de cet ouvrage, mais aussi sans doute, il y a que, elle savait que dans le lancement de tout écrit qui se diffuse dans le public et qui se lise et se critique, fut-il un traité de médecine ou de physique quantique ou encore de géologie, il est bon qu'un spécialiste de la langue en usage soit présent et disent sans fourniture ce qui est, ce qui aurait dû ou aurait pu être. Que l'on me permette une digression. Si, dans le débat qui il y a deux à trois ans, le débat qui il y a deux ou trois ans a tenu le pays en haleine à propos de la lecture d'un certain article de loi relatif au nombre de mandats auquel pouvait aspirer le président de la République sortant, j'ai souvent dit que si le Conseil constitutionnel avait comporté encore en son sein un professeur de français, de grammaire ou de lettres, en remplacement de Mme Agnès Sauval, qui avait démissionné, l'article en question aurait été écrit ou réécrit par le dit Conseil constitutionnel en sorte de ne laisser nulle place au doute ou à l'ambiguïté. En effet, la première qualité du législateur doit être une maîtrise absolue de la langue, maîtrise qui permet une expression claire et univoque de tout article de loi et qui soit de nature à éviter les contradictions, mais du choix des mots ou de la syntaxe. Selon Détour, mesdames, messieurs, pour dire que ce que j'admire d'abord chez Anselme Sauve-Sylvé et plus généralement chez mes collègues spécialistes du droit, c'est leur ou sa ou leur parfaite maîtrise du français avant même ou en raison directe de sa ou leur connaissance intime et fine du droit, et leur connaissance intime et fine du droit. Dans le cas d'espèce, au moins dans deux de ces secteurs, le droit civil et le code de la famille, le droit des personnes, Madame Anselme Sauve-Sylvé en remontrerait dans la maîtrise de la langue française à bien des linguistes, grammairiens ou littéraires. C'est pour moi le lieu de dire que je connais Madame Anselme Sauve-Sylvé depuis le temps où nous étions tous les deux des étudiants, elle en droit et moi en lettres, car sa sœur aimait et moi. Madame Manson Bouffe, ici présente, professeur titulaire de lettres classiques, spécialité grecque. Elle et moi étions des camarades de promotion, on dit maintenant au Sénégal de promotionnaire, au département de lettres classiques. Et j'ai suivi dans ses prêts sa belle carrière d'enseignante spécialisée en droit de la personne et de la famille, devenue directrice de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAM de Dakar, animatrice, on l'a dit tout à l'heure, d'un mouvement citoyen qui s'est par la suite mué à nos partis politiques. Moi-même, militant des droits humains, initiateur et membre fondateur en 1989 de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADO, et militant depuis lors dans cet organisme où j'ai été secrétaire à la communication, président du conseil d'administration sur deux mandats et depuis 2013 président du comité d'éthique et de déontologie, j'ai eu un parcours parallèle dans la société civile. Et c'est une affinité de plus que j'ai avec Madame Anselme Sauve-Sylvé. Ce militantisme m'a fait percevoir à quel point le droit est essentiel dans la vie des individus en société et dans la marche harmonieuse et paisible des groupements humains.
c'est d'abord et surtout la connaissance de ses droits et devoirs qui fait un bon citoyen. C'est ce qui fait que ce livre est destiné, j'en suis persuadé, à devenir le Vade Mecum et en même temps le livre de chevet de nombre de nos concitoyens, étudiants, travailleurs, membres des ONG, militants des droits humains, etc., voire professionnels du droit, car il renferme l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour ne pas mourir idiot et pour faire triompher la justice, même en dehors des prétoires. De surcroît, cet ouvrage constituera une belle et bonne contribution au niveau requis de publication d'une université digne de ce nom, puisque c'est un des critères les plus déterminants dans le classement international des universités. Peut-être peut-on regretter seulement que cet ouvrage qui vise à mettre l'essentiel du droit dont les populations ont besoin dans leur vie de tous les jours, et même certains spécialistes qui travaillent autour du droit, eh bien, à la portée de tous, regrettez donc qu'ils ne viennent que maintenant. Car si j'en juge par ma propre expérience de militant, le livre du professeur Amsatou Sow Sidibé m'a aidé dans ce cours inestimable dans mes différentes fonctions de secrétaire à la communication, bien sûr, de président du conseil d'administration, et etc. Mes enfants, sans doute, bien sûr. En effet, dans un de ses écrits pas très connus du grand public, Molière, le dramaturge français, auteur de comédies inoubliables, parmi lesquelles L'avare, Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire, Molière a écrit cette phrase qui a une allure de sentence qui doit faire réfléchir. Il dit ceci, deux points, citation, « Mon droit a besoin d'aide. » Non pas cette aide que l'on évoque dans les plaideurs de Racine, de Jean Racine, et qui consiste à un des dons en nature ou en espèce à ceux qui administrent la justice, mais une aide qui étaye notre cause par une bonne connaissance de la loi et de la procédure. À cet égard, Madame le Professeur, votre ouvrage sera encore une fois une aide de grand poids. Grand poids. Ce sera dans notre monde actuel où tous les rapports inter-individuels, y compris dans nos sociétés sénégalaises, sont basés sur le droit. Un exemple vient de nous en être donné tout à l'heure, sur des lois nombreuses et complexes qui font de notre société, malgré notre culture ancestrale de masla, de communication, de communion, etc., de fraternité, qui font de notre société, disais-je, une véritable jungle, un labyrinthe rempli de dangers, un dédale plein de périls et de choses trop, il est bon de disposer d'une lampe puissante et d'un fil d'Ariane qui éclaire le chemin et le balise, et cet ouvrage-ci est à la fois et cette lampe et ce fil d'Ariane. Et si, comme moi, on n'a pas eu la chance d'étudier le droit comme nombre de mes camarades de promotion du lycée, je citerai très rapidement le professeur Moustapha Souran, le professeur, enfin, monsieur Lamine Brousseau, Baba Karkante, le professeur Med Babou, etc., et quelques autres, dont notre junior Serignon. Si donc on n'a pas eu cette chance, on est tout heureux de disposer de cette introduction à l'étude du droit du professeur Amsatou Sow Sidibé, et on est reconnaissant d'avoir pensé à ouvrir le monde du droit et de la science juridique aux béotiens dont je suis. Je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer ce qu'est un béotien, c'est quelqu'un qui n'a pas n'est pas très cultivé dans la Grèce antique. On comprendra donc que le béotien que je suis ne s'aventure pas dans des considérations techniques sur le contenu de l'ouvrage. C'est messieurs qui s'en acquitteront mieux de moi, n'est-ce pas? Je me contenterai donc des considérations que voilà et de souhaiter une excellente carrière au livre de Madame le Professeur Amsatou Sow Sidibé. Et pour finir, je voudrais, après l'avoir félicité, exhorter Madame le Professeur Amsatou Sow Sidibé à ne pas s'arrêter en si bon chemin, à nous offrir, malgré ses occupations que je sais très chronophages, comme m'a dit un jour Seigneur Toussman, d'autres ouvrages sur d'autres secteurs du droit et pourquoi pas, plus tard, de nous écrire ces mémoires qui, j'en suis certain, seront des plus édifiants sur ce que doit être la vie au XXe et surtout au XXIe siècle
la vie d'une Sénégalaise et d'une de sa société. Je vous remercie. Merci, professeur. Au-delà de ces considérations, vous nous avez donné à entendre un exercice d'autodérision. Il faut être très intelligent et très cultivé pour le réussir. C'est des contorsions et des acrobaties que vous les avez exécutées sans trébucher ni tomber. Je crois que le professeur a bien fait de vous choisir pour venir son livre. Professeur Ismaël Magyar-Fall, point de vue sur le travail du professeur en cette société. Je vous remercie beaucoup, M. Maurice Camara. Je voudrais avant tout exprimer le plaisir à me retrouver encore une fois au WAC, qui est devenu une institution de la popularisation de la culture. Parce que c'est un centre de recherche, mais c'est un centre de recherche que M. Ousmane Sen a démocratisé et popularisé. Aujourd'hui, le WAC est connu et souvent, on s'y rencontre pour parler ouvrages, pour discuter d'idées, et cela est fort louable. Et je voulais, cher Ousmane, vous en remercier et vous en féliciter aussi. Je voulais aussi exprimer le plaisir à me retrouver à cette table, aux côtés de Marlès Camara, qui est aussi devenue une institution en matière de présentation d'ouvrages. Parce que l'institution chez les juristes, c'est ça, c'est une pratique sociale acceptée comme telle. Donc, moi, c'est devenu une institution en matière de présentation d'ouvrages, justement, assez bien liée avec ce plan qui présente avec le talent qu'on lui connaît les ouvrages qu'on l'invite à présenter. Remercier le professeur Absoluto Sensibé pour m'avoir invité à prendre part à cette cérémonie de dédicace. C'est aussi un plaisir de me retrouver avec Julie, avec qui on a partagé cette chose à Rano, absolument. Ça a été aussi un plaisir d'écouter tout à l'heure votre discours très raffiné, comme le dit Mamès, qui s'adresse aux gens cultivés, aux gens de culture. Immense plaisir, évidemment, chez le professeur Cissé, à vous retrouver aussi à vos côtés. Voilà, je voulais juste parler de l'auteur, mais aussi de l'œuvre que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Et là, cela ne va pas être très facile pour moi, parce que je m'adresse à vous et je m'exprime à la fois sur l'auteur et sur l'ouvrage à plusieurs titres. Le premier titre, chronologiquement, c'est que c'est d'abord l'élève, l'étudiant, parce que j'ai été l'étudiant du professeur Absoluto Sensibé en première année de droit, justement un cours très intéressant qui s'appelle le cours est intitulé droit civil. En réalité, ce n'est pas que droit civil, mais c'est droit civil. Et justement, la première partie du cours, le premier semestre, portait sur l'introduction à l'étude du droit, et la deuxième partie portait sur le droit des personnes de la famille. Et donc, c'est un agréable plaisir pour moi de lui trouver des éléments qui m'étaient évoqués dans un amphithéâtre il y a une trentaine d'années, que je retrouve consignés aujourd'hui dans un ouvrage. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Et justement, merci, madame le professeur, d'avoir repris ces éléments de cours que je reviendrai tout à l'heure dans le cadre de ce matin. Je voudrais aussi m'exprimer en tant que collègue. Son collègue aussi à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et pour ça, justement, le professeur Absoluto Sensibé l'évoquait tout à l'heure, il nous arrive souvent de discuter à la fois sur des questions de droit, mais aussi sur des questions parfois qui dénotent le droit, sur des questions, je ne dirais pas sociétales, mais sur des questions sociales, sur des questions qui interpellent la société de façon générale, sur la politique, sur la démocratie au Sénégal, sur l'état de droit. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je converse et que j'échange avec le professeur Absoluto Sensibé. Je m'exprime aussi, voilà, le premier titre était un titre permanent. Voilà, le deuxième titre est peut-être un titre plus conjoncturel, on pourrait s'y dire. C'est aussi ma collègue à la présidence de la République, et dans ce cadre aussi, il nous arrive souvent de collaborer, notamment pour le bien de l'État du Sénégal. Donc je voulais dire très rapidement deux mots. D'une part, un mot sur l'auteur, très rapide, et ensuite un mot sur l'œuvre.
Je dirais l'auteur, parce qu'il faut être bref. Des gens qui sont qui ont de la substance, qui ont de la valeur, d'un parcours qu'on s'attarde sur les louanges quand on doit laisser les louanges. Donc ce propos va être bref. Mais je voulais juste dire, pour parler de l'auteur, que je la caractériserai comme une femme de pensée et d'action. Une femme de pensée et d'action. Pensée évidemment parce que c'est universitaire, tout à l'heure le cursus, mais aussi le palmarès qui ont été évoqués par Mandrés Camara sont illustratifs à cet égard. C'est l'universitaire qui a gravi avec succès tous les échelons de la carrière universitaire. Quand vous êtes un universitaire, vous êtes jugé d'abord et avant tout sur ça, sur d'autres choses après. Mais c'est d'abord votre faculté, votre capacité à avoir gravi avec succès les échelons universitaires. Le professeur d'association l'a fait, bien moi, on n'a pas besoin de revenir sur ça. Mais elle est aussi une femme de pensée, surtout par rapport à ses publications. Dont certaines, évidemment, ne sont pas connues en public. Mais c'est aussi comme ça. Les publications scientifiques ne sont pas toujours connues du grand public, mais sont connues des initiés et sont connues aussi de toutes les personnes qui s'intéressent aux thèmes qui sont traités dans ces publications. Donc les publications, très intéressantes. Mais aussi les conférences. Madame Amsouf Sossoulé, je crois qu'on pourra aussi vous présenter sans faire référence, sans mentionner votre statut de conférencière attitrée sur beaucoup de thèmes. Donc publication, conférence, prise de position sur les questions comme le pluralisme, le professeur Cissé va y revenir certainement tout à l'heure, sur le genre. La démocratie, donc sur beaucoup de problèmes à la fois sociaux et sociétaux, le professeur Amsouf Sossoulé a à la fois écrit et aussi opéré des prises de position qui sont connues. Toutes ces prises de position portent aussi de façon générale sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les droits de l'homme. Les droits de l'homme aujourd'hui, il y a tout, les droits de l'homme. Et je me rappelle d'ailleurs à cet égard, pendant les conférences, je me rappelle toujours de votre marque, pour ainsi dire, lorsque vous étiez à l'Institut des droits de l'homme et de la paix, où je considère d'ailleurs que c'est un peu l'âge d'or de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Parce qu'à l'époque, on avait les mercredis de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Et à l'époque, il y a beaucoup de conférenciers de l'eau, beaucoup de éminentes personnalités politiques, intellectuelles, culturels, artistiques qui sont intervenus à l'époque à l'Institut des droits de l'homme pour donner de grandes conférences à laquelle assister à la fois au public averti mais aussi au public nombreux. Donc les conférences de l'Institut des droits de l'homme, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas ne pas évoquer lorsqu'on parle de votre apport au patrimoine de l'Université Chevalier. Je dirais aussi que, outre la femme de pensée, vous êtes aussi une femme d'action. Ça aussi, cela a été évoqué, illustré tout à l'heure par Mandrés Camara dans son propos introductif. Mais je mentionnerai juste à cet égard deux éléments. C'est que, évidemment, vous êtes commis, vous êtes une militante engagée des droits humains et de la paix. Tout à l'heure, d'ailleurs, le sketch qui a été fait par les jeunes artistes de talent que nous avons tout à l'heure montre que c'est aussi un hommage. Justement, au fait que vous êtes militante des droits humains et de la paix, vous êtes aussi militante des droits humains et de la paix, cela se voit aujourd'hui, avec l'initiative que vous tentez de développer pour contribuer à votre manière à la résolution de la crise casamançaise, à la restauration de la paix en Casamance. Donc, vous êtes une militante des causes de la société civile. Mais vous avez osé franchir le Rubicon en étant aussi une militante politique. Parce que beaucoup d'intellectuels sont toujours intéressés par la politique sans toujours oser franchir le rubicon de la politique. Évidemment, parce que la politique, ce n'est pas facile. Vous êtes, les philosophes qui ont osé je voulais dire qu'elle fait partie de ces philosophes qui ont voulu et qui ont tenté d'être droit. C'est un texte déjà. C'est ces philosophes qui veulent être roi. Voilà. Ces philosophes qui veulent être roi. Voilà. Oui, bien sûr. C'est justement le philosophe ici, c'est l'intellectuel, l'image de l'intellectuel qui pendant longtemps réfléchit simplement sur la politique, mais qui est tenté aussi d'exercer
le pouvoir. Je me rappelle un beau texte à l'époque de Ousseynou Khan, ces philosophes qui voulaient être rois. Et ils expliquaient justement ces universitaires qui ne se contentent plus d'être des militants de la société civile, mais qui prennent aussi le courage de plonger, je ne dirais pas trop cette expression, mais de plonger dans la mare politique, parce que le champ politique aussi a une dimension de mare. Ce n'est pas une mare, mais il y a une dimension de mare. Et donc, voilà, et donc vous avez été candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui, femme chef de parti politique. Ça montre tout simplement, ça illustre ce que j'ai annoncé tout à l'heure en disant que vous êtes aussi une femme d'action. Donc, vous essayez d'ailleurs c'est pour ça qu'on le voit souvent chez vous. Vous essayez d'ailleurs de penser en femme d'action et d'agir en femme de pensée. Je voulais terminer maintenant rapidement avec l'œuvre. L'œuvre pour réunir aujourd'hui et qui est intitulée Droit civil, droit sénégalais, introduction à l'étude du droit, état des personnes et de la famille, publié chez Prédila. Je dois d'ailleurs dire que vous contribuez aussi à rehausser un peu l'image du Prédila, parce que le Prédila avait une vocation, vous êtes aussi bien placé pour le savoir. Souvent, M. Leclerc, on ignore que vous avez été directeur du Prédila. Justement, c'est que vous avez fait. Oui, justement, mais il a été directeur du Prédila. Parce que quand j'étais directeur du Prédila, j'ai visité les archives, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de reconstituer la liste des ultimes prédécesseurs. Justement, je me rapporte que le Prédila en faisait partie. Et donc, le Prédila avait cette vocation à la publication d'ouvrages. Je me rappelle d'ailleurs les premières publications du Prédila des années 59. Donc, souvent, avant l'indépendance, d'ailleurs, quand j'étais directeur du Prédila, je disais à beaucoup de nos institutions, quand je me présentais, et je suis directeur du Prédila, une institution qui date de 1959. Donc, une institution, cinquantenaire, précisément. Le Prédila avait cette vocation à publier des ouvrages de qualité. Les ouvrages sont connus, sont publiés au Prédila. En publiant cet ouvrage au Prédila et non ailleurs, parce qu'il est évident que vous auriez pu le publier ailleurs, mais en choisissant de le faire au Prédila, je considère que vous continuez aussi à rehausser cette image du Prédila, mais aussi dans une certaine mesure à aider le Prédila, dont le directeur est là, à redonner le blason de cette institution qui s'est illustrée dans l'histoire en termes de publication de qualité. Nous avons ici, à mon avis, d'abord un manuel. Le professeur Anne-Sophie Sylvain nous a présenté un manuel. Le professeur Sicily reviendra tout à l'heure avec un mot évidemment plus éloquent, mais c'est un manuel. Mais c'est un manuel qui tombe à son heure. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on est professeur d'université, on a le choix de faire un manuel en début de carrière et un manuel lorsque la carrière est plus avancée, ou même un manuel en fin de carrière. L'avantage des manuels lorsque la carrière est très avancée, c'est que le manuel capitalise des années d'enseignement. Le professeur Absorption Sommier a dit tout à l'heure qu'il a une expérience de 33 ans à l'université. Et quand on a une expérience de 33 ans, quand on publie un manuel, quand on écrit un manuel, le manuel, c'est là, ça devient la sommation de toutes les expériences qui se sont accumulées, qui se sont sédimentées pendant qu'on faisait le cours. Parce que tous les enseignants savent qu'au fur et à mesure qu'on enseigne, chaque année on gagne de l'expérience. Et chaque année, la manière de faire le cours évolue. Et évidemment, le propos est pédagogiquement plus intelligible, parce qu'on gagne en expérience. Et puis, on parvient à insuffler plus facilement les connaissances aux étudiants. Mais ça, c'est l'expérience. Et donc, justement, quand on a capitalisé autant d'années d'expérience et qu'on passe un manuel, ce manuel devient un outil irremplaçable pour la connaissance de ce manuel. Donc, professeur, je pense que vous avez produit ce manuel qui est évidemment important. Mais dans le manuel, au fond, on peut constater que ce n'est pas seulement un manuel. Autrement dit, j'y vois une dimension d'essai. Essai. À certains égards, même une dimension traitée. Ben, pourquoi? Parce que simplement, dans beaucoup de parties du manuel, vous évoquez non pas ces éléments du droit civil ou du droit bien connu, bien stabilisé, qu'on retrouve à peu près dans tous les manuels, mais on retrouve ici des éléments qui sont la traduction de votre point de vue sur ces choses-là. Parce que le professeur, ce n'est pas aussi quelqu'un qui reprend ce que vous le savez, c'est aussi quelqu'un qui enseigne ses convictions sur ce savoir.
celui qui enseigne sa perception de ce savoir. Et justement, dans ce manuel, on y retrouve vos perceptions, vos sens, vos conceptions sur tous les sujets qui sont évoqués. Et justement, c'est pour ça que je pense que c'est aussi un manuel, mais en même temps, c'est aussi, tout à l'heure, ce qui faisait la prestation de théâtre, ne s'y trompe pas. C'est aussi une nouvelle de vulgarisation. C'est aussi une nouvelle de vulgarisation. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un manuel qui est destiné aux étudiants, mais il y a aussi des choses, des éléments du savoir juridique, du droit civil, du droit de façon générale, que tout citoyen simplement, je ne dirais pas tout juriste, est appelé à connaître. Et c'est pour ça, je pense que le champ des destinataires de cet ouvrage est très large. Je pense que cet ouvrage s'adresse à la fois aux étudiants, mais à mon avis, c'est le premier public qui est concerné. Ce qui doit s'arracher cet ouvrage, c'est d'abord les étudiants. Parce qu'il s'agit d'un manuel où la vocation première est d'enseigner. C'est un manuel à vocation didactique. Les étudiants sont publics à qui cet ouvrage est destiné. Et je pense qu'au-delà des étudiants, tout à l'heure, vous l'avez dit, je lis à justice, les militants des droits humains retrouveront dans cet ouvrage des éléments qui les intéresseront et qui les armeront dans le combat pour la promotion des droits humains. Mais je pense aussi que le public cultivé trouve aussi avec cet ouvrage un instrument de vulgarisation du savoir juridique. Au-delà du public cultivé, le simple citoyen, vous avez raison à la fin du sketch, en disant que voilà, les femmes, les maris, les citoyens devraient connaître leurs droits, mais aussi leurs obligations. Il a été question de droit de valeur, mais il est aussi question de la contrepartie des droits, à savoir les obligations, ce qui veut connaître le droit, c'est devoir, le droit, c'est obligation, tout le monde, dans cet ouvrage, des éléments utiles. Et donc, pour conclure mon propos, je voudrais, professeur, que cet ouvrage, ce livre, à la fois utile et utilitaire, vous dire simplement félicitations et merci. Merci, professeur Israël Major Fall. Merci pour les bons noms que vous avez à l'adresse de l'auteur et de l'assistance. Nous allons donc finir ce tour de table avec le professeur Abdallah Cissé. Je ne le connais pas assez pour pouvoir le présenter en toute honnêteté. Je l'ai rencontré une fois, pendant 13 ans et demi, j'étais dans le public, je l'ai entendu participer à la présentation de mon ouvrage. J'ai été frappé par une sorte de pondération courageuse. Une façon de poser des problèmes avec beaucoup de clarté, au point que le professeur Amorigal, le parfait béotien juridique que je suis, n'avait rien compris, mais il y avait une posture de sachant et le discours que j'écoutais m'incitait à rester. Au moins, je comprenais l'enchaînement d'un certain nombre de choses, et même si les contenus m'échappaient, au plan formel, c'était quelque chose de tout à fait remarquable. Et le professeur Lee a raison de dire, d'ailleurs, je suis un ancien syndicaliste, une fois nous avons négocié la convention collective des journalistes, la loi actuelle sur la presse, et nous étions très contents parce qu'on avait réussi à introduire un certain nombre d'innovations. Le professeur Serigne Diop était ministre de la communication. Et au rendu, nous avons vu qu'un certain nombre de choses que nous avions réussi à introduire avaient disparu. On a crié au scandale. Et puis, il nous dit, la rédaction juridique n'admet pas qu'un certain nombre de nuances que la négociation pouvait admettre, mais que le droit ne serait validé. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut toute une science de la logique. Quand j'étais au département de philo, nous avions un professeur de philosophie, Bresson, je vais vous rappeler, qui parfois venait en retard en nous disant qu'il était dans une commission de l'Assemblée nationale où on révisait une loi et lui était chargé de faire passer la loi, mais à travers les touches codines de la logique. Bon, donc, si on était un peu plus juridique, on n'aurait pas
triompher parce que nous avions fait passer des choses que le droit, dans son formalisme, ne pouvait pas admettre. Donc, je suis très content d'avoir ici le professeur Abdallah Cissé. Voilà, donc je vais laisser le temps présenter le professeur Abdallah Cissé, qui est le préfacier et qui a réussi un tour de force. Faire une préface de 2 pages. Parfois, les préfaciers, ils semblent être en compétition avec l'auteur. Ils écrivent tellement abondamment qu'on se demande, mais à quel moment, moi, je vais arriver au texte qui m'a fait acheter le livre. Il reste le problème en 2 pages, et ça, c'est un tour de force. Félicitations et merci, professeur. Je voudrais dire 2 mots à propos du professeur Abdallah Cissé. Il est un professeur agrégé de droit, titulaire des universités. Croyez-moi, le professeur Abdallah Cissé est l'un des meilleurs juristes du monde. Ancien directeur du FR, de sciences juridiques, à Saint-Louis. Il est venu dans les sphères intellectuelles de juristes du monde entier, spécialiste de légistique, c'est-à-dire la science qui permet d'écrire des lois, spécialiste de droit de l'informatique, spécialiste de droits humains, spécialiste de droit privé, un grand professeur, Abdallah Cissé. Je l'ai invité régulièrement à l'IDHP pour que les étudiants profitent de son savoir juridique, de son savoir de manière générale, de son savoir-faire et de son savoir-être. C'est le professeur Abdallah Cissé que vous avez ici et qui se mise sur le gâteau est un imam qui fait à Saint-Louis des prêches extraordinaires. Il dit que c'est son frère, mais de temps à autre, c'est lui. Voilà, merci. Je vois que les photographes, vous allez devoir vendre vos photos de manière très discrète, sinon je vous fais chasser. Non, vous n'allez pas perturber le déroulement des activités. Faites-le discrètement ou je vous fais chasser. Voilà. Madame le professeur Amsat Sidibé, monsieur le professeur Sidibé, vous me permettrez au moins ce jour-ci de commencer par vous deux et de violer un peu les règles du protocole. Monsieur le modérateur, quand vous avez terminé, j'étais très content en disant que je me bats au quotidien pour être ignoré de la presse. Je suis apolitique, asyndical et j'aime toujours évoluer dans les cavernes. Mais n'empêche, comme je suis là, et vous me sortez au grand jour, il y a des choses qui sont vraies me concernant, d'autres qui le sont moins, mais vous me permettrez de saluer avec beaucoup de respect notre ministre et recteur, Philou Aranissi, mais qui est aussi président de ma section à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Saluer les autorités civiles, militaires, religieuses, mes éminents collègues, autour de cette table, mon ami Ismaël Majofal, le professeur Li, le professeur Sen, mais aussi tous les collègues, les confrères du barreau du Sénégal, les doyens, Diouf, Badji, nos anciens étudiants, comme ou autres, les parents, les amis qui sont dans la salle. Je voudrais tous vous dire tout le plaisir que j'ai à prendre part à cette cérémonie de dédicace que nous offre le professeur Amsat Sidibé. Je pense qu'il est très difficile, monsieur le modérateur, de prendre la parole après
les propos, les voix plus avisées, plus claires et plus clairvoyantes que la mienne. Et je m'empresse de vous dire que je vais vous décevoir puisque je ne vais pas présenter le livre. Je voudrais que les gens lisent le livre. Donc je voudrais juste dire quelques mots pour donner goût à la lecture de ce livre. Et vous me permettrez de le faire avec les cinq doigts de ma main. En mélangeant pêle-mêle les éléments qui concernent l'auteur, qui concernent également son ouvrage. D'abord par rapport à Madame le professeur Anne Sophie Dibé. Moi je l'ai découverte comme collègue. Je n'ai pas fait mes humanités à Dakar. Et c'est dans le cadre de rencontres, de séminaires, de conférences que j'ai eu à la connaître. Et j'ai trouvé en elle une personne de qualité que j'ai très vite adoptée comme une grande sœur. Et je retiens de son profil trois éléments. Il y en a d'autres, j'en suis persuadé. C'est une femme de paix. Je pense que souvent on peut être amené à s'arroger le titre d'homme de paix ou de femme de paix, mais c'est à la démarche, à la conduite de la personne qu'on sait si réellement c'est une personne de paix ou non. Moi, la personne que je connais est une personne de paix, ni plus d'âme. Et je crois que c'est grâce à elle, en personne, que je suis intervenu à l'Université de Dakar les quelques rares fois que je suis intervenu. Et je voudrais pour cela l'en remercier en raison des retours que j'enregistrais de satisfaction de nos étudiants communs. Mais c'est cette paix qui fonde son leadership. Il y a aujourd'hui dans les sciences du leadership le leadership de résonance et le leadership de dissonance. Je pense que c'est une femme leader de résonance. La résonance, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui diffuse autour d'elle des ondes émotionnelles positives. C'est tout. Ni d'amour, peut-être pas une, il y a une façon qui lui fait bien. Et qui lui fait d'amour à créer, à créer, qui lui fait un signe à Gouda. Contrôle qui se diamant à midi tôt, minuit d'une heure, Dieu le dit toujours qu'il y faut un diamant à qui lui faut un signe. Je pense, moi je salue en vous ce leadership féminin qui n'étonne pas d'une grande dame, mais qui également constitue un modèle à suivre. Mon deuxième voix reconnaît en vous une femme généreuse. La générosité est une des valeurs académiques les plus importantes, qui consiste à donner, tout simplement, à partager ce que l'on a, ou ce que l'on croit avoir compris, et ne pas en être dissuadé, par quelque raison que ce soit. Aujourd'hui, vous avez tous les alibis du monde pour ne pas sortir ce manège. Et personne ne vous en voudrait. Mais en tant qu'universitaire, pour le témoignage d'un père qui vous respecte, je considère que c'était à vous d'écrire le premier manuel de droit civil de la famille notamment et des personnes du Sénégal. Par respect, si même on en avait la possibilité aujourd'hui, on devrait vous attendre, poser le premier jalon, pour qu'après chaque ouvrage, vous cite. Galilée disait que enseigner, ce n'est rien d'autre que rappeler aux gens ce qu'ils savent déjà. Beaucoup de personnes peuvent dire qu'ils le savent, mais l'être humain oublie, et c'est seulement les esprits généreux qui sacrifient de leur temps pour leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Parce qu'à chaque rappel, on le découvre sous un nouveau jour. Et c'est ce que j'ai dit dans cette préface,
il y a déjà beaucoup d'introductions au droit. Et il y en aura encore. Parce que chaque juriste, chaque professeur a sa conception, a son paradigme, a sa perspective au travers de laquelle il explique son point de vue et présente la matière juridique. Et je pense qu'au nom de tous les lecteurs, nous vous devons un grand merci. Mon troisième droit, et c'est un des objets de fascination concernant le professeur Amsterdam-Sauci-Libé, ses étudiants qui sont là, et même ses anciens étudiants, les ministres-professeurs, tout le monde lui reconnaîtra cette capacité à traiter les étudiants, ses premiers interlocuteurs, avec affection, avec humanité et avec beaucoup de respect. Je l'ai dit pour l'avoir découvert dans ses conférences. Je n'ai pas assisté à ses cours. Et je disais toujours, là où vous n'étiez pas, que vous êtes parmi les rares enseignants dans ce pays qui ont compris leur mission, comme le définissait le philosophe de la prospective Gaston Berger. C'est très rare de voir un enseignant ou un professeur définir l'enseignement comme l'amitié. Et je vous le cite, Gaston Berger disait ceci, comme l'amitié, l'enseignement exige un difficile sacrifice. Ne pas chercher à former notre disciple à notre image. Ne pas lui imposer nos goûts ou notre système. Lui donner les moyens pour être lui-même. D'être, s'il le faut, tout à fait différent de nous. Et il ajoute, il est peu d'hommes, assez détachés, pour réaliser cela sans souffrir. Mais à travers tout ce que perd alors l'amour propre, nous goûtons la joie supérieure d'ouvrir un esprit, le mettre en possession de son autonomie, de lui donner comme une seconde naissance. Fin de citation. Je crois que cet enseignant-là, c'est ce qui nous manque le plus dans notre pays. Des enseignants qui aiment leurs étudiants, qui leur dispensent leur savoir et qui veulent les voir réussir tous. Parce que comme je l'ai dit, je ne connais pas un seul étudiant qui quitte sa famille avec l'espoir d'échouer. Je ne connais pas. On n'entend jamais parler d'échec dans les universités américaines ou nord-américaines ou les universités européennes qui marchent. On entre à l'école pour réussir. Et ne peuvent accompagner sur le chemin de la réussite que les enseignants qui aiment leurs étudiants, leurs collègues. Madame le professeur, distingués invités, mon quatrième doigt concerne la présentation formelle de ces livres. Écrire un manuel n'est pas chose aisée. Mais au regard de toutes les qualités que je viens de vous énumérer, il devient facile d'écrire un manuel. C'est pourquoi j'ai mis dans la préface que Madame le professeur prend l'étudiant, le lecteur, par la main. C'est un signe de respect et d'affection. Il le prend par la main pour lui faire découvrir les subtilités de la science juridique. Elle aurait pu faire un livre très savant, très ésotérique, très rugueux sur le plan du langage, mais qui ne servirait à rien, qui peut-être pourrait faire plaisir dans le milieu scientifique très fermé. Mais elle a préféré se rabaisser au niveau de l'étudiant qui vient d'arriver. Sans oublier même, peut-être les militants de RAFET qui pourront lire l'ouvrage sans être inscrits à l'université pour les choses de la vie qui les intéressent. Et donc, c'est un ouvrage agréable à lire
Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a dedans, je le survolerai sur mon cinquième doigt. Donc, un ouvrage agréable à lire et très bien rédigé, et vous donnez également une leçon d'humilité à tout le monde. Je n'allais pas le dire, mais je suis dans une liste de diffusion d'une école doctorale qui a lancé un courrier, un avis, où il y avait quasiment une dizaine de fautes de français. Et je l'ai regardé en disant, je ne veux pas écrire juste pour dire qu'il y a des fautes. Et quelques heures après, on a envoyé un autre message pour dire, voilà, voici la bonne version. Mais la bonne version était déjà signée par le directeur. On ne doit jamais se faire confiance lorsqu'on rédige un texte. Parce que nous ne sommes que des humains. Et là, vous donnez la preuve en disant, j'ai écrit un livre, je vois un fin lettret, je lui dis, lisez-moi mon livre. Et vous le présentez avec beaucoup de délicatesse en disant, ça a permis de réduire les fautes. Il est très peu d'hommes ou de femmes capables d'en faire autant. Mon cinquième doigt, j'ai appris avec ma mère qui me disait que tout ce que vous dites, quand ça dépasse les cinq doigts, personne ne retient absolument rien. Elle s'était arrêtée dans ses études en classe de CE2, mais je vous assure, de son vivant, je n'ai fait aucune conférence sans lui avoir fait le résumé de ma conférence en Europe. Parce que je considérais qu'elle devait savoir, même si elle n'a pas pu continuer ses études, elle avait produit quelqu'un qui comprenait et que les gens écoutaient. C'était son droit de savoir. Et donc c'est elle que je tire ses règles de la psychopédagogie. Et mon cinquième doigt parle donc du contenu. Je vous dirai en deux mots ce que je crois qu'il y a dans le livre. Il y a dans le livre l'introduction. L'introduction au droit, c'est ce qui vous permet d'avoir le courage d'approcher la science juridique ou la matière juridique. C'est comme un rituel d'initiation. On n'entre pas en droit comme on entre dans un moulin. Il faut que quelqu'un vous prépare psychologiquement, vous donne les petits rudiments et surtout vous donne de la force et de l'audace pour entrer. Donc si vous commencez le droit avec le professeur Sidibé, vous allez avoir le courage de continuer. Ça, c'est la première partie. Donc, on vous habitue à l'univers juridique. Le droit, il a ses réalités et ses fictions. Il a ses noms, il a ses mystères, il a ses interprètes, il a ses exécutants, il a son raisonnement, il a sa raison, il a sa méthodologie. Il a sa science, il a son art. Donc c'est un univers extrêmement complexe qu'il faut apprendre à découvrir. L'autre partie concerne l'état des personnes. Ce qu'il y a de plus important chez la personne, c'est la dignité humaine. La dignité humaine. Qu'on ne marchande pas, qu'on ne compromet pas, que l'on respecte pour sa sacralité. L'homme, l'humanité est une dignité. La dignité n'est pas un droit de l'homme. C'est le socle sur lequel on bâtit tous les droits de l'homme, toutes les libertés. Et elle n'accepte pas de compromission. Cette dignité au sens moderne, au sens de la République, au sens de la citoyenneté moderne, fait aujourd'hui l'unanimité. Religieux comme laïque, tout le monde sait que l'être humain, on ne fait que le respecter. C'est ça ce que l'on découvre dans l'état des personnes. L'actualité du Sénégal nous montre qu'il y a encore besoin de discuter de dignité humaine. Troisième, c'est la famille.
la famille, c'est la cellule de base de la société. On y entre lorsqu'on commence à comprendre, mais en réalité, c'est parce que on en vient de la famille. Et à chaque fois qu'on devient mature, on cherche à fonder la sienne. Donc c'est vraiment le noyau de base de toutes les sociétés humaines. C'est la sphère dans laquelle on cherche à capter le bonheur dans la famille. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et là, les juristes aussi entre deux choses. On lui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut connaître ses droits, comme on l'a vu dans le sketch. Si c'était à recommencer, je leur dirais tout simplement que côté droit de la famille, c'était bien, côté procédure, c'était bien, mais côté dignité humaine, ça restait. Parce qu'on voyait un homme qui peut être fâché durant une scène de ménage, se défoule sur son épouse. Vous savez, une femme n'a pas besoin d'être battue comme n'importe quel individu. Mais le droit a une nuance entre la violence et les voies de fait. Une femme, on ne l'approche qu'avec délicatesse. Lorsqu'on la violente, ça signifie qu'on commence à tomber dans l'indignité. Mais même avec des voies de fait, vous savez c'est quoi des voies de fait? C'est très subtil dans le langage du droit. Le seul fait de montrer à quelqu'un en levant le doigt, Djokarunit, c'est ça les voies de fait. C'est de la violence dégradée, ça. Mais vis-à-vis d'une femme, c'est une injure. Et c'est ce qu'il faut apprendre à inculquer à la jeunesse. Parce qu'on croit qu'on peut parler n'importe comment. Et si ces éléments-là sont corrigés, ce n'est pas à une femme de s'agenouiller, de s'accroupir devant un homme. Ce n'est pas normal. Si il devait y avoir une situation de la sorte, ce devrait être, ne serait-ce que par galanterie, à l'homme de le faire. Ça, c'est dans cette famille. Professeur, les hommes ne vont pas dire. Le prophète de l'islam a dit, et vous le savez bien, ma akramouna illa karimun wa ma ahanouna illa ra'imun. Le prophète de l'islam a dit, n'honore les femmes que les personnes honorables, ne les maltraite que les personnes qui ne méritent aucun respect. Donc il y a à tout le monde de savoir que tout son temps. Vous dites la famille, par les fiançailles, par le mariage, par le divorce. Il faut connaître ses droits pour bien les vivre. Mais les connaître ne signifie pas chercher à les appliquer. Parce que un de nos éminents juristes, qui est cité également dans ce livre, que tous les juristes civilistes respectent, c'est le doyen Jean Carbonnier, qui a quasiment fait les plus grandes réformes du droit de la famille en France, de son vivant. Il disait ceci, les gens heureux n'ont pas besoin de droit. On doit le savoir parce que personne n'a la garantie du bonheur de façon durable. On ne sait jamais, on se protège. Donc il faut le savoir. Mais il faut l'apprendre, en discuter, le vulgariser, pour qu'on n'en ait jamais besoin. Parce que si on n'en a pas besoin, ça signifie qu'on a vraiment réussi sa vie. Voilà, madame le professeur,
mes 5 doigts. Je voudrais si éviter d'en ajouter un sixième et de vous créer des questions de mémorisation. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve à cette cérémonie de dédicace devant votre famille, devant vos amis, parmi lesquels je me compte. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais appeler. Je voudrais juste, excusez-moi, je n'ai pas répondu, mais j'ai une question qui est très importante. Et parce que je ne veux pas tromper l'auditoire et je ne sais pas où l'information sera diffusée. J'ai dans notre famille un frère qui a le même nom que moi, qui s'appelle Mohamed Abdullah, mais qui est célèbre par le nom de Abdullah. Ce qui fait que tout le monde nous confond. J'en suis honoré et flatté parce qu'on parvient à nous confondre. Je suis publiquement, je me réclame, je suis un laïc. Je ne suis pas un religieux, je suis un laïc. Et je m'en défends. C'est tout ça que je voulais dire. Merci professeur de cette intervention qui, même si elle ne nous raconte pas le livre, nous incite à le lire. Je crois que c'était cela le but des propos du professeur. Je n'irai pas à contre-courant de vos convictions, mais je pense que vous deviez sortir plus souvent de votre chapelle. Un de vos collègues philosophe, Souleymane Bachir Kem, a écrit un livre dont le titre seul suffit à inciter peut-être à sortir des cavernes. Il a parlé de la comment un spécialiste de l'algèbre est devenu un spécialiste de la géométrie, discipline un peu rivale. Et le titre du livre, c'est le sous-titre du livre, c'est L'oiseau de nuit en plein jour. On aimerait plus souvent voir un plein jour, professeur. Mais c'est la fierté de votre vie, c'est l'oiseau. Donc, vraiment, merci en ce coup de nous avoir offert cette occasion de rencontrer des gens qui sont autour de cette table. Ousmane, merci de ta rigueur, parce que sans toi, on aurait attendu, et tu vois, il est presque 18h, et le temps a été utilisé à bon escient, et je crois au profit de tous. Maintenant, il y a dans la salle un certain nombre de personnalités qui ne sont pas seulement venues par amitié pour Amsakou Sosilibé, mais voilà, un certain nombre de ces personnalités, si elles le souhaitent, n'est-ce pas, sont invitées à prendre la parole. Le recteur, bien entendu, qui est un spécialiste du droit, le général Mansour Seck, le doyen Mamadou Bachi, Amidou Dia, le philosophe, Amidou Dia, j'étais beaucoup regardé quand Ismaël Maghreb, sans le dire, évoquait Platon, n'est-ce pas? Ce philosophe qui voulait devenir roi et qui a décidé que dans la cité idéale, les rois sont philosophes, n'est-ce pas? Ce qui a fait mon petit trucage. Fante Guéniaï, femme juriste. Le colonel Abdelaziz Ndao, évidemment son excellence, monsieur l'ambassadeur d'Iran, si vous le souhaitez. En me disant qu'elle allait présenter son livre, et elle se demandait si j'aurais le temps de venir. Alors je lui dis qu'évidemment, je pense que c'est un privilège pour moi de venir justement participer à cette manifestation. Alors je voudrais surtout dire que personnellement, j'ai lu rapidement le quatrième de couverture qu'on m'a dit dans le jargon, et j'ai vu qu'on dit ceci. En plus, ils sont aussi libés, est une sénégalaise, universitaire et femme politique. Alors j'ai sursauté un peu sur le mot femme politique, pourquoi? Parce que moi, la femme socialiste que je connais, je ne la connaissais pas comme femme politique. Je la connaissais surtout comme une responsable, une militante, effectivement, des droits de l'homme. Mais on a le droit de changer.
c'est vrai. Et comme l'a rappelé notre collègue Major, vous avez eu le courage, si j'ose dire, de vous présenter, de prendre le risque d'être candidat à quand même une fonction suprême, être président de notre République. Et je crois que c'est Mamès qui disait que peut-être, quand vous êtes première dans beaucoup de choses, vous serez peut-être la première femme du Sénégal qui sera présidente de la République. Donc je vous le souhaite, alors voilà. Je vous le souhaite. Mais je voudrais surtout revenir sur ce que disait tout à l'heure, je crois que mon collègue, qui parlait de l'amitié, en disant que l'enseignement c'est de l'amitié. Il a cité, je crois, il a cité effectivement, je crois, une expression assez sympa, disons un propos intéressant, en l'attribuant à Bertrand Piaget, je crois. Alors, je voulais simplement lui dire que, bien que je ne sois pas philosophe, je connais, si vous voulez, un autre personnage qui s'appelait Alain, on appelait Alain, c'est un des philosophes plus connus, et Alain disait, l'enseignement, c'est de l'amitié. Donc, vous voyez, ça se répond tout à fait. Et je crois que sur ce plan-là, vous avez raison d'avoir évoqué cet aspect des choses. Et encore une fois, je pense que, pour revenir à ce que disait Manior, je pense que c'était un manuel d'une certaine manière. Et comme je ne suis pas civiliste, comme on dit dans le métier, dans le jargon des juristes, je vais apprendre beaucoup de choses, puisque je suis plutôt publiciste, comme vous le savez. Donc, quand vous parlez de droit civil, je suis toujours très prudent, mais je pense que je suis convaincu que j'apprendrai quelque chose en lisant votre livre. Donc sur ce plan-là, rien que pour cela, je pense qu'il valait la peine que, après votre coup de téléphone, hier, que je sois là. Je pense qu'il fallait porter des témoignages. Et encore une fois, j'ai mis l'accent, malgré tout le parcours que vous avez fait, sur ce qui m'avait frappé quand je vous ai rencontré, c'est le fait que vous êtes une militante. C'est, je crois que c'est Major qui parlait de femme de pensée, femme d'action. Moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est que vous étiez une militante d'établissement des droits humains. Et je vous félicite pour ça. Le général Marchoncet. Je me demande moi comme militaire si je suis dans mon milieu. Parce qu'on considère que nous avons des muscles et nous les grands esprits, nous avons le cerveau. Madame Simila a dit tout à l'heure qu'un bilan de sport, effectivement, Dieu nous a fait avec une tête et des jambes. C'est le don pour l'équilibre. Nous suivons ici comme curé intellectuel et nos amis saints essaient de m'attirer pour faire de moi un intellectuel. La parole de ma chère. Je pense simplement qu'en tant que curé intellectuel, vous nous ouvrez les yeux sur le droit, mais je cite surtout aussi les obligations. Le Sénégalais n'a que des droits, il n'a pas d'obligations souvent. Et le fait de mettre à la disposition de tout un chacun dans un langage qui n'est pas ésotérique la manière de pratiquer une citoyenneté que j'en suis reconnaissant et vous encourage. Là, dans l'armée de l'air, on parle de number one. Mais j'ai vu que vous êtes premier partout, donc vous êtes aussi number one peut-être. Merci. C'est vrai que le sou. Je suis venu plutôt pour Absalou Sosibité. Dans les qualités énumérées par le professeur Cissé, dans lesquelles je me reconnais entièrement, puisque nous travaillons ensemble, quand on dit que c'est une femme d'action, et une femme de pensée qui pense l'action, qui n'agit pas sans penser, qui ne pense pas sans agir, comme dit le professeur Major Fall, j'en suis parfaitement d'accord. L'autre affaire, c'est qu'Absalou Sosibité, que je vois chaque jour, avec qui j'échange chaque jour, est une dame d'une extrême humilité. Et je pense que l'humilité, d'ailleurs, est la première qualité du savoir. Absolument, c'est une femme de qualité, d'humilité. Je pense que l'humilité est la première qualité du savoir.
n'est-ce pas, Mme Lescamara, vous qui êtes philosophe, on ne peut savoir quand on est humble. Les gens de prétention, les gens qui font beaucoup de bruit, comme on le dit en collage, font du tam-tam des jours. Et après ça, aussi dit, ben, ne fait jamais tam-tam des jours. Et je me réjouis aussi du livre, parce que ce livre pourra aller bien aussi comme moi, comme mon grand-père a voulu, n'est-ce pas, pourra éclairer le chemin sur la question de droit. Et surtout aussi parce que je pense, très modestement, que la philosophie a beaucoup contribué à la naissance du droit, notamment la philosophie du droit. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci pour toutes ces bonnes paroles qui me vont droit au cœur et qui m'encouragent. Je dirais quelques mots à propos de l'édition de cet ouvrage, mais permettez-moi de saluer la présence de Mme Kane Kordosol, de sa délégation, du président du tribunal de Pékin, de mon collègue Yolvo, ancien doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques. Mais je voudrais aussi féliciter la troupe qui s'est présentée tout à l'heure avec sa tante, M. Amadou Diallo. Voilà des jeunes qui comprennent qu'il faut connaître le droit. Et le sketch qui a été présenté tout à l'heure est une manifestation de cette non-connaissance du droit et de l'obligation de connaître la science juridique, le droit et les droits. Alors, pourquoi cet ouvrage? On l'a dit, c'est le fruit d'un long travail qui a duré plus de 30 ans. J'ai enseigné l'introduction à l'étude du droit, droit des personnes et de la famille, pendant plus de 30 ans. Parce que j'ai intégré la faculté en 1979, dans l'année académique 79-80. Et depuis lors, et jusqu'ici, je suis dans l'introduction au droit, je suis dans les droits des personnes et de la famille, entre autres matières que j'ai dispensées. Alors, cet ouvrage, je l'ai fait élaborer et publié parce que j'avais envie d'être utile à ma société. Après avoir enseigné la matière, je me suis dit, à mon âge, aujourd'hui, je dois laisser quelque chose à la postérité. Si je viens d'ici quelques années, je pourrais aller à la retraite tranquille, parce que ce livre pourra être utilisé par les étudiants, par les praticiens du droit, par les journalistes, par le citoyen lambda, par les députés, par tous ceux